salut les copains, comment ça va? C'est qui me téléphonait? C'est toi France ou bien c'est toi Régula? Il y a le tsunami, hein? J'ai vu ça. Alors le tsunami, c'est terminé avec le journal. Hein? Tous les journalistes, c'est maison. Tous les rotatifs, c'est stop, switch off. Tous les papiers de production, c'est arrêté parce qu'on n'a plus besoin de papier puisqu'il n'y a plus le journal. Alors moi, je pense à une solution. C'est très simple, tu vois. Tu interdis toutes les productions de journal du jour. Tu gardes seulement la production du journal du mois. Et une fois par mois, par exemple, tu choisis le 4 ou bien le 5 de chaque mois. Alors là, tu as autorisation de faire tourner les rotatives et puis les journalistes ils peuvent rédiger des trucs. Hein? Et puis entre-temps, pendant 30 jours, les seuls que tu peux trouver dans la boîte aux lettres, c'est une société comme ça. Hein? Et puis tu peux aussi faire ça avec les politiques, hein? Le journal politique. Lui, il a le droit d'être dans la boîte aux lettres tous les jours, mais tous les autres journaux, ils n'ont pas le droit. Tu te rends compte, le Jumbo, ils vont faire exploser le chiffre d'affaires. Parce qu'il n'y a pas les conneries de 20 minutes, NZZ, de Le Temps et tous ces magazines, inclusive les cassettes de Sissicon. Ils font rien du tout, alors il n'y a personne, ils sont obligés de lire ça. Hein? Alors voilà. Régula, tu me fais un café, s'il te plaît. Hein? Et puis, Franz, tu fais tout de suite les rapports. Hein? Moi, je veux que ça marche maintenant, là. Et puis moi, je vais prendre contact avec Interdiscount. Hein? Je vais demander à Interdiscount, ils font venir un peu de pétrole de Koweït. Comme ça, je ne suis pas obligé, chaque fois que je vais remplir le temps de casson, de faire venir le camion de Koweït. On fait le stock hein, chez Interdiscount. Et puis, alors le café maintenant, on fait quoi? Moi, je ne peux pas toujours attendre comme ça. J'ai du travail, hein. J'ai encore tout le gazon à Sissicon à couper, hein.